New York, l'ancien premier homme politique guinéen, Seloud Alain Diallo vient d'entamer une tournée à l'international. Arrivé ce mardi 14 juin 2022, à New York, États-Unis, il est attendu en Europe à partir du 26 juin. Le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, en provenance de Dakar, a un agenda politique très chargé. À New York où il a été reçu ce soir, M. Diallo aura un « dîner gala » ce mercredi 15 juin, avant de s'envoler pour le Canada où il animera « meeting » le 18 juin à Montréal. Du 20 au 24 juin, Seloud Alain Diallo séjournera à Washington. Au menu de son séjour dans la capitale des États-Unis, une séance de travail avec les structures de sa formation politique le 23 juin, avant de rejoindre Atlanta pour boucler sa tournée américaine par un meeting. Il est attendu à Paris le 26 juin, retour à Paris. Seloud Alain Diallo qui est en froid avec la junte est à l'étranger depuis 2 mois. La date de son retour n'est encore fixée. Il est dans le collimateur de la CRIEF, juridiction spéciale mise en place par le CNRD pour lutter contre les crimes économiques.